Salut les filles et les garçons, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée il y a pas mal de temps quand j'avais fait le tag sur mon téléphone. Donc c'est la vidéo sur toutes mes coques d'iPhone. Alors il faut savoir que la vidéo va être longue je pense, puisque j'en ai pas mal. Je vais me dépêcher de les présenter et voilà. Donc j'en ai, elles sont toutes rangées dans des little box en fait. Voilà. Alors, on va commencer par celle-ci, la première. Alors, je vous présente celles qui sont vraiment jolies, parce qu'il y en a qui sont toutes simples et bon, ça sert à rien. Alors, la première, hop, qui est Stitch, comme ceci. Donc, en fait, elle se départage en deux, sinon on ne peut pas la mettre. Voilà, et en fait, au-dessus, vous avez un petit bouton là et ça ouvre les oreilles. Voilà, donc principalement toutes mes coques ont été trouvées sur eBay US, voilà, j'essaierai de vous mettre quelques liens en barre d'infos, mais je n'ai pas tous les liens et puis je ne vais pas m'amuser à les rechercher, donc j'essaierai de vous en mettre quelques-uns et voilà. Ensuite, la seconde qui est comme ceci, qui est multicolore, voilà, donc elle se met comme ça en fait, ça se départage. Moi au début j'avais pas compris, j'essayais de rentrer dedans alors que c'est solide, donc j'essaie de plier le téléphone, mais cherchez pas à comprendre. Ensuite, une en silicone violette, comme ceci, toute simple. Une en silicone, mais un peu plus dur, rouge. Pareil, silicone rose, avec le bouton bleu. Ensuite, une avec des paillettes. Je l'adore celle-là. J'en ai plein comme ça et je l'adore. Voilà. Celle-ci, avec un petit nœud et c'est marqué Geeks Love. Voilà. Ensuite, donc celle-ci qui est la même que celle-ci, sauf que celle-ci est en silicone et celle-ci est en plastique. Donc voilà. Ensuite, un petit cochon. Je l'adore celle-ci, je la trouve trop belle. Ensuite, une Game Boy, voilà, en dur. Celle-ci qu'on avait eu dans la Little Box. Celle-ci. Qui sont, ma foi, pareilles. Ah non, mais je sais pourquoi. Il y en a une qui est pour iPhone 4 et une qui est pour iPhone 4S en fait. Parce que si vous voulez, iPhone 4 et iPhone 4S, il y a les boutons qui changent sur le côté. Donc voilà. Ensuite, une très très simple qui est toute noire en silicone. Donc ça, c'est pas mal quand je veux pas trop de couleurs et tout, c'est pas mal. Celle-ci, alors qui fait un peu un truc qui coule et tout, elle est pas mal. Donc voilà, ça se met, ça s'enlève, ça se met comme ça. Hop. Par contre, celle-ci, elle tient pas trop en fait. Ça s'enlève souvent le truc du bas. Dommage. Ensuite, celle-ci qui est une coque avec style des tucs. Je l'adore celle-ci, elle est trop bien. Ensuite, celle-ci qui est juste immense, mais immense. En fait, c'est du pain. Non, c'est pas du faux, c'est du faux pain, hein, mais c'est comme du pain. Et donc là, au-dessus, c'est comme si on avait écrit au chocolat. Et au début, ça avait l'odeur chocolat. Vraiment, hein. Donc voilà, alors celle-ci, elle est juste immense. On peut pas la mettre dans la poche, mais moi, je la trouve trop belle. Donc voilà. Par contre, quand vous la mettez dedans, votre portable, il rebondit après. Donc au moins, pour les chutes, c'est pas mal. Ensuite, celle-ci qui est très très simple, qui est un peu transparente. Et vous voyez mon doigt. Et c'est écrit Love. Voilà, celle-ci qui est avec plein de petits bonhommes, donc celle-ci elle est à Soso. Elle est trop belle celle-ci, il y a plein de couleurs. Voilà, donc voilà pour la première boîte. Ensuite, j'ai un deuxième Stitch. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, j'ai un deuxième Stitch, je pense que je vais en vendre un parce que bon, ça sert à rien d'en avoir deux. Ensuite, j'ai une à paillettes argentée. Un petit panda. Une comme ça, style Lego, ça s'enlève les trucs là. Hop, ça s'enlève et vous pouvez y coller où vous voulez. Donc ça, c'est pas mal quand vous voulez protéger votre appareil photo. Voilà, vous le cachez ici dessous et voilà, c'est pas mal. Celle-là, je l'aime bien. Hop. Ensuite, une léopard, une éléphant, et c'est un éléphant, ce n'est pas, hein,
quand j'avais mis la photo, on m'avait dit ah, c'est un peu non, c'est un éléphant. Excusez-moi, mais ça ressemble à un éléphant. Voilà. Ensuite, une avec moustache. Comme ça, j'ai le portable qui sonne, je suis désolée. Ensuite, une avec tic ou tac. Je sais pas lequel c'est des deux, mais bon, ils se ressemblent. Donc voilà. Une avec qui est blanche et il y a une glace en fait. Et on se voit vraiment dedans. Hein. C'est pas mal ça. Bon, par contre, ça laisse les traces de doigts sur la glace, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, une en silicone rose fluo. Une en silicone plastique un peu en orange fluo. Une calculette. Une noire avec. Ça fait un peu des gouttes. Elle est trop bien celle-là, je l'adore. Quand vous le touchez, ça fait des. J'ai la coque Cassable, là, le site internet m'avait fait. Mais voilà, la photo est. Là, vous la voyez bien, le coquelicot et tout. Mais en près, de près, ça. Ouais, je l'avais plus. Une comme ceci, I love moustache. Ça doit être à l'envers. Non, ça doit être à l'endroit, c'est bon. Voilà. Ensuite, une Game Boy violette en silicone. Donc ça, c'est pas mal parce que en silicone, ça protège bien. Une comme ceci, toute noire, simple. Mais en fait, il y a la dent, il y a comme une ouverture dentelle pile poil autour de la pomme. Donc voilà. Et puis, le trou pour l'appareil photo, c'est un cœur. C'est mignon. C'est en train de se casser la gueule. C'est un peu bordel, après, c'est pas grave. Celle-ci qui est rouge avec un petit lapin avec des lunettes, elle est trop belle celle-ci. Voilà, celle-ci je dois encore avoir les liens avec les moustaches et tout, donc je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, oh mais ça craint là, encore une tout va bien. Donc je pense que je vais en vendre hein, parce que si je les ai en triple, ça sert à rien. Ensuite, une comme ceci qui fait un peu quadrillée, elle est pas mal celle-ci. Elle est vraiment bien. Par contre, après, dès que vous enlevez, vous avez la poussière qui est passée entre les trous en fait. Donc ça fait vachement bizarre sur le téléphone, mais bon. Une en silicone verte. Le petit cochon en rose, cette fois-ci. Alors ça, c'est pas discret, hein. Quand vous sortez pour téléphoner, c'est pas discret. Silicone turquoise. Silicone rouge. Je crains. Une noire un peu transparente avec. Il y a un peu des dessins dessus en fait. Mais on les voit pas comme ça, mais il y a des dessins. Une. Horrible. J'aime pas du tout celle-là. Je l'ai commandée sur internet et en fait j'aime pas du tout. Voilà, c'est en argent rosé, mais c'est trop moche. Et enfin pour terminer, pour terminer la deuxième boîte, une verte fluo. Voilà, qui est vraiment pas mal, celle-ci, elle est vraiment belle. Je rangerai tout à l'heure, hein. On va dire ça, ça s'entasse, mais je rangerai tout à l'heure. Et pour finir, la dernière, alors, là il y en a un peu moins. La première, une Game Boy rose clair en silicone. En silicone, pareil, rose clair, c'est un peu les mêmes, sauf que voilà, il n'y a pas la Game Boy, c'est la même couleur. Ensuite, là, il y a le pain à soso, donc comme ceci. Ensuite, on a ici un petit lapin avec des cœurs. Elle est trop belle. Alors, il y a celle-ci que je suis grave dégoûtée. Alors, c'est un cœur, c'est un arbre fait avec des papillons, en fait. Et en dessous, c'est marqué « Your text here ». Et quand j'ai commandé, je pensais qu'on pouvait remplir quelque chose en fait. Et non, pas du tout, on ne peut pas remplir quelque chose. Donc c'est un peu nul. Voilà. Donc je ne la mettrai jamais hein, puisque c'est marqué You text here. C'est... Bref. Ensuite, une calculette en silicone. Je ne sais pas si depuis tout à l'heure je dis pas simili. Non, mais c'est en silicone. Hein. En silicone aussi qui est un peu corail, elle est super belle celle-là, je pense que ça sera ma coque de cet été. Celle-ci que je surkiffe, c'est des petits boutons, des boutons de couturière quoi, voilà, de toutes les couleurs. Ensuite, une avec des paillettes roses, bien entendu, hein, girly. Ensuite, une Game Boy rose fluo. Non, je l'ai pas déjà. Non, non.
Je suis en train de réfléchir. Non, il y a rose et il y a rose fluo. C'est pas du tout pareil. Attention, hein. Ensuite, alors celle-ci. c'est un moustique, en fait, avec des ventouses. Et ça, c'est pas mal quand vous vous servez de votre GPS. Voilà, vous collez aux vitres. Ça tient bien, hein. Et voilà, ça tient aux vitres, en fait. Donc voilà. Sinon, après, vous pouvez très bien coller les oreilles derrière. Comme ceci. Mais bon, ça tient de la place encore. Mais bon, moi, j'aime bien les trucs... Ensuite, on a celle-ci qui est sublime. En fait, c'est troué hein, entre. Elle est sublime. Sur le téléphone, elle est vraiment trop trop belle. Je l'adore. Donc voilà. Ensuite, on a une coque comme ça qui s'ouvre et qui se referme. Logique. Voilà, votre iPhone est là. Et ça, c'est pas mal. Alors, je pense que je vais avoir des questions. On peut très bien téléphoner. Vous bloquez le truc derrière, ça tient. Et voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Genre, c'est pas le truc qui vous revient sur le visage et tout. Non. Super bien ça. J'en ai une pareille en noir. Voilà, j'aime bien les trucs comme ça quand je sais pas, j'aime bien. Celle-ci avec des pois blancs. Magnifique. Ensuite, celle-ci. Alors, ça, c'est ma première coque que j'ai achetée. Que j'ai payée 15 € je crois, à Darty. Jamais, jamais je mettrai 15 €. Plus jamais, je veux dire. Je mettrai 15 € dans une coque. Voilà, donc il y a un bonhomme et c'est marqué haut comme trois pommes, donc il n'y a que deux pommes et il y a la pomme de Apple. Voilà. Et en plus, franchement, je l'ai mis une fois, deux fois peut-être. Elle est toute rayée, comme elle est transparente, elle est toute rayée, c'est pas trop beau. Et enfin, pour terminer, donc là il me manque le petit truc. C'est la dernière. Bah non, c'est pas la dernière puisque Soso en a un, je crois, sur son portable. Ma mère en a aussi et j'en ai un sur mon portable donc. Hop, en fait c'est celle-ci qui est en forme de tache de girafe un peu. Elle est super belle celle-ci. Donc il me manque le truc pour bloquer en haut. Mais... Voilà, je vais vous chercher mon portable. Alors voilà, comme j'en laisse un peu de partout, je retrouve au fur et à mesure. Donc celle-ci que j'ai reçue il y a deux jours en fait, c'est une radio chez Nefi, je sais pas quoi. Voilà, vous avez les deux enceintes ici et voilà. Donc c'est Soso qui l'avait commandé celle-ci. D'ailleurs, il faudra que je dise ce que j'ai reçu. Et donc ma coque en ce moment sur mon iPhone, c'est celle-ci, donc un petit nœud rose. Mais je vais changer parce que je l'ai trop vue, je crois. Donc voilà, pour ce qu'il en est de mes coques, la vidéo était tant attendue, donc la voici. Je vous mets quelques liens en barre d'infos. Attention, c'est eBay US, donc eBay.com. Si vous n'avez pas configuré, vous ne pourrez pas y accéder. Si vous en cherchez sur eBay US, vous avez juste à mettre case. Donc, je sais pas comment ça se dit, mais C-A-S-E, iPhone 3, iPhone 4, voilà. Et après, moi, généralement, je mets acheter maintenant, donc buy it not, je crois. Et je fais, et je classe du moins cher au plus cher. Donc voilà. Je vous mets quelques liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite.